Attention, c'est parti. Le compte à rebours est arrivé. Oh, j'ai l'impression d'avoir bu. Ça commence super bien. Ça commence super bien. J'ai l'impression d'avoir bu. Le compte à rebours est arrivé à zéro. Vous l'avez attendu. Je suis là. Tadam! Eh ben non. Sérieux? Sérieux? Oh putain, j'aurais voulu le faire exprès, ça serait jamais arrivé. Qu'est-ce que c'est que cette soirée? J'aime beaucoup la politique. Oui, moi aussi. Moi aussi. Attends, premier problème à régler. Ma caméra fonctionnait il y a encore 10 minutes. Pourquoi là, tout d'un coup, elle décide de s'arrêter? Pourquoi? Ça, c'est pas la vidéo. Ça, c'est la capture vidéo. Ouais, coup dur d'entrée de jeu. D'entrée de jeu, on est là pour faire une soirée et tout, et puis. Ah là là. Ok. Est-ce que là c'est bon? Là c'est bon, et j'ai compris comment ça fonctionnait. Bonsoir à tous, bonsoir Freezer. Tu es déjà parmi moi, parmi nous. Oui, parmi nous. N'empêche, je suis le first. Exactement, tu es le first. Et je t'ai même adressé la parole. Je prends note. Et je t'ai même adressé la parole avant de lancer le live. Tu rends compte quel suivi, quel service avant-vente, n'est-ce pas? Ok. Est-ce que l'image. Est-ce que j'ai. Bah non, c'est parce que j'ai le décalage. Ok, donc on est parti ce soir pour continuer sur notre lancée du Witcher. On est parti donc. Est-ce que tout fonctionne? Tout va bien? Le son est bon? Suffisamment présent pour ne pas être gênant? Alors, nouvelle partie. Non, chargée. Oui. Hop, c'est parti. Ah, c'est le four qui sent chaud. Tout à fait. Un four, quand il est chaud, il sent chaud. C'est parce que les fours à la base étaient mexicains. Et quand ils sont devenus papy, ben, c'est devenu papy sent chaud. Voilà. Là, la grande explication. Alors, je sais absolument plus ce que j'étais en train de faire. J'étais sûrement en train de tuer le mal. Par le mal. Je vais aller vider une pinte de bière. J'espère que l'overlay en question va pas être trop dérangeant par rapport au jeu. C'est pas forcément un overlay qui est prévu pour. Vrai que je pense à mettre mon logo dans le cercle au-dessus. Ça pourrait être joli. Ok, il est quelle heure? Il est 9h du matin. L'heure pour aller boire une bière. N'est-il pas? Il faut que j'aille explorer toute cette zone ici, parce que les quêtes principales pour débloquer la suite va se situer dans cette zone-là. Et je sais pas pourquoi Twitch maintenant, il déconne à mort au niveau de mes vues de moyenne. C'est trop chelou, je capte pas. Oh, c'est pas grave. On n'est pas là pour faire du chiffre. Bon, a priori ici on est en pleine journée. Il va falloir que je fasse attention au fait que j'ai été un peu voir la suite parce que la première fois que j'ai joué à ce jeu, arrivé dans cette zone-ci, j'ai. Bah c'était la première fois que je jouais, mais j'ai galéré à mort pour trouver la suite. Donc cette fois-ci j'étais un peu sureté sur le net pour voir ce qu'il en retournait un peu. Et ici il va falloir que je prépare des hirondelles. Donc je parle des potions de sorceleur. Donc des hirondelles et des potions de chat-huant. J'aime bien la zic, ouais la zic. Truc de fou ça. Ok, on va aller visiter les demeures, hein, puisque c'est bien connu que dans les RPG tu peux rentrer et vider les placards. Sauf que ici c'est des placards de personnes mortes. Sorceleur pas respectueux. Enfin, je suis un sorceleur, je suis pas quelqu'un de forcément respectueux des morts, hein, puisque les morts ne payent pas. Je suis bientôt à 5000 Knorium. Et que vas-tu t'acheter avec tes 5000 Knorium? Je passe plus mon temps à farmer les tonneaux. Ben, je suis Gérald de Rive, le sorceleur. Je suis là pour vider votre tiroir, vos coffres et votre tonneau de bière.
Alors, le travail a été dur ces dernières années, on a eu très peu de clientèle, alors je suis devenu pilier de comptoir. L'illustration, bien, bien. Pilier de comptoir, j'ai un peu de beline, de bouline. Alors, je te dis pas comment il y en est faire, elle mouille sa culotte. Charmant, je suis un poète. Je suis un poète. Là, il faut absolument faire un. Enfin, je le dis, hein, mais je me mettrai pas en valeur en le disant. Faut absolument faire un clip d'office. C'était un de mes meilleurs moments vidéoludiques de toute ma vie. Même si j'ai pas compris le concept. Le concept de quoi? De Gérald de Rive, le sorceleur. Pochère, bonhomme. Le sorceleur du sud de la France. Quoi? Je sais pas, je suis en délire de début de stream, j'ai encore de l'énergie à revendre. Même si tu n'as pas compris le concept de l'illustration, mais le concept de l'illustration est simple, tu as envie de voir quelque chose sous forme d'illustration, tu me demandes, on peut aller dans l'eau, tu me demandes et je le réalise en live. Bon, ça veut pas pour autant dire que je te l'enverrai gratos, hein. Ah, faut pas abuser non plus. C'est juste pour vous permettre de choisir le sujet d'une soirée illustration, vous donner la possibilité de m'imposer à faire des choses que j'aurais pas forcément la présence d'esprit ou l'envie de faire. Le four il sent chaud. Hein. D'accord. Non mais attendez, toi tu peux mettre pause. Enfin moi aussi je suis pas en ligne même. Il y a plein de caisses. Allez, pigeon. Ok, donc tu sais dessiner des gens en photo. Des gens en photo? Je veux dire faire des portraits de gens comme s'ils posaient pour une photo. Ah, ça risque de te décevoir, mais je peux essayer. Hein. J'ai pas dit que j'étais ultra. C'est des gentils ou des méchants? Non, c'est des voyageurs. Zoltan, ah. Autoportrait, oui. Ouais. Je peux essayer. Si mon programme me permet d'être aussi précis, why not? Par contre, me demande pas de me faire un autoportrait de moi, hein, parce que ça risque d'être assez mal perçu. Tu sais, hein. Qu'est-ce que vous lui voulez à ce nain? Lui raser la barbe, qu'est-ce que ça peut te faire? Raser la barbe à un nain? Je vous conseille de partir calmement. Un défenseur des non-humains! Rengainez votre arme ou vous le regretterez amèrement. Tuez cet hérétique! Vous l'aurez voulu. Il est où, monsieur? Le monsieur, il a dit hérétique. Alors, style rapide. Style de groupe. On va d'abord claquer un peu de style rapide. Ok, style de groupe là. Attends, c'est quoi déjà le... Ah putain, j'ai pas de symbole équipé. Chier. Ah ouais, putain. Ah, j'avais le nain avec moi. Enfin, j'avais Zoltan avec moi. Merci de m'avoir débarrassé de ces chiens. Mais Gérald, que je sois foudroyé sur place. Oui, ça va pas. Un vrai sorceleur. Il meurt, il ressuscite, personne l'a vu depuis 5 ans, et il me demande si je vais bien. Qui êtes-vous? Tu as bu? Je suis ton ami, Zoltan Chivet. Où étais-tu passé? Je ne sais pas. J'ai Witcher 3 avec tous les DLC d'ailleurs. Je suis heureux de te revoir. Vous ne comprenez pas. Bien, bien. J'ai perdu la mémoire. Ah, par contre, je suis en train de voir, mais vous avez une image de merde. C'est quoi, Gérald? Allons boire une bière, et puis
Tutoie-moi, s'il te plaît. Tu as une image de merde. Éclaircis-toi les idées. Et certains souvenirs. J'avais même pas fait attention. Peut-être. Attends, je voudrais juste. Je peux pas sortir du choix. Quelque chose ne va pas. Bon, je vais régler ça. Mon ami devait me retrouver dans ce village, mais il n'est jamais venu. Tu penses qu'il a eu des ennuis? Ça me surprendrait pas. Il est avec les écureuils et s'occupe du ravitaillement avec les avécars. Les écureuils et les avécars? Les écureuils sont des non-humains qui réclament la liberté et l'égalité en tuant des gens dans la forêt. Et les avécars sont des marchands qui vendent des armes aux écureuils. Je vois. Je ne suis pas le bienvenu ici. La rumeur veut que les non-humains soient responsables de la peste et de la bête. En d'autres temps, je serai en train de chercher mon ami. Je te préviendrai si j'apprends quelque chose. Merci, mon ami. Bah voilà, tu as trouvé. Alors, je dois partir. On se revoit plus tard. On se revoit plus tard. Pause. Alors, bon. Quête terminée, raciste. Lol. Alors, on va essayer de régler ce petit souci que je règle à chaque fois, mais c'est pas grave. Vérifie. Une capture vidéo, capture d'écran. Ok. Je vais capturer une fenêtre de jeu, ce sera peut-être mieux. Capturer fenêtre. Non, sérieux? Il le détecte pas comme ça? Capture de jeu. Si je fais comme ça, est-ce que ça fonctionne? Magie. Non. Ça ne fonctionne pas. Ah là là, mon PC commence à... Mais on s'en fout. Je sais bien, j'ai plus d'antivirus. Enfin, j'en aurai bientôt plus. Attends, je règle le petit problème. Capture d'écran. Ouais, je vais peut-être devoir changer la résolution. Je vais remettre la résolution en maxi et on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, option graphique. Toc. Ok. Accepté. Ok, là on est en tout grand. Maintenant, j'espère que le jeu va pas commencer à déconner. Reprendre la partie. Oui. Tac. Ok. Non. Tac. Et c'est parti. Il n'y a pas l'air. Tu me dis hein, si tu vois un peu de lag. Nouvelle quête. Une partie de des. Ok. T'es qui toi? Un malfrat. Deux malfrats. Ah, c'est des frères jumeaux malfrats. Ouais, je sais que si je reviens ici la nuit, par contre, j'aurai un. Une bestiole sous-marine qui va m'attaquer. Porte verrouillée, ok. Mais y'a que des bagarreurs, des malfrats dans ce bouge. Et des poulets. Beaucoup de poulets. Porte de la maison d'Aren. Je peux rentrer dans la maison d'Aren. Arenbrock. Si son nom est en vert, c'est que c'est important. Bienvenue. Vous êtes... Merci. Arenbrog, marchand et intermédiaire à votre service. Quel bon vent vous amène? Qu'est-ce que vous proposez? C'est le révérend qui vous envoie? Évidemment. J'ai du mal à vous croire. Cliquez sur le gun du pot de vin pendant les dialogues, choisissez le montant que vous souhaitez payer pour tenter de corrompre le personnage. Astuce, les personnages réagissent différemment à la tentative de corruption. Si votre pot de vin est trop modeste, vous risquez d'offenser votre interlocuteur. Est-ce que j'ai de la thune? Oh, j'ai de la thune. Ouais. Je vous crois, pour l'instant. Pour l'instant.
Le rêveur m'envoie, il pense que vous avez besoin d'un sorceleur. Que savez-vous de l'homme à l'écusson assez la main? J'ai trouvé ces drôles de dés, on dirait de l'artisanat nain. Qu'avez-vous à vendre? Le révérend m'envoie, il pense que vous avez besoin d'un sorceleur. C'est vrai, les morts sortent du fleuve la nuit. Aidez-moi, le prix importe peu. Je vous aiderai en échange d'informations sur la salamandre et 200 orins pour couvrir mes frais. Chercher la salamandre, c'est chercher les ennuis. Mais ça me regarde pas. J'accepte. Saleté de mort-vivant. Ils effraient la clientèle et détruisent mes caisses. Et cette cargaison est prévue pour un client très particulier. Un client très particulier? Où est-ce que je trouverai ces noyeurs? Au bord de la rivière. Ils sortent à la nuit tombée. Cool. Bien. Sorceleur! Il m'a fait peur. J'ai trouvé ces drôles de dés. On dirait de l'artisanat de nain. Pas ici! Vous allez nous attirer des ennuis. Vous avez peur d'une boîte? Avec toute votre contrebande? C'est l'instinct de survie. Le révérend déteste ce jeu. Vous savez de quoi il s'agit? Non. C'est clairement pas l'œuvre d'humains. C'est diabolique. Les nains en sauront sûrement davantage. Merci. Au moins pour ça. C'est diabolique. Ok. On fouille des armoires. C'est quoi ça? Contre les non-humains... Je vous crois, pour l'instant. Qu'avez-vous à vendre? De tout, en fait. Mais... Montrez-moi donc. Le client a... Ok, alors... Dégâts 40%, saignement 40%, c'est pareil, ça change rien. Glaive d'acier témérien, prix d'achat 200, il me reste combien de thunes? 247. Et... Ok... Glaive de sorceleur en acier. Tiens, c'est marrant, ça, j'ai pas encore de petite hache. Chance de bris de bouclier 20%. Dégâts 1 à 6. J'ai pas encore de lame en argent, tu vois. Bon, je peux te revendre quoi? Permet d'allumer un feu, utilisation unique. Meule aiguisée, non. Graisse d'oie, je vais la garder. Silex. Oui. Moi, bon, je peux rien lui vendre d'autre. Ok. Je vous crois. Pour l'instant. Alors, potion. Chat, permet de voir dans l'obscurité absolue. Attends, qu'est-ce que j'ai déjà? Élixir inconnu, blizzard, mouette blanche, ça je sais pas en utiliser pour le moment. Donc j'ai besoin d'hirondelles. Ok, on va refaire une deuxième hirondelle. J'ai encore besoin de chaluron. Nice. Et je sais plus rien faire. Bizarre. Ici inconnu. Hirondelle. Rodger, accureux mon bon Rodger, comment vas-tu? Est-ce qu'il est allé se mettre ou en bouteille? Poison. Chat. J'ai trois chats. Ok. Héros, pas de talent à mettre, pas du niveau de journal, on s'en fout. Inventaire, qu'est-ce que je vais mettre en potion, pardon. Alors, je vais mettre le chat pour commencer, j'arriverai en pleine nuit, ce sera plus intéressant. Et c'est le 6 pour boire la potion. Méditation. Comment vas-tu? Putain, vous êtes là sur le chat et sur ma comptabilité, je suis tout seul. Enfin, sur ma comptabilité, sur le compteur de lui, c'est chiant. Ça me bousille des stats.
Je sais pas ce que tu t'y fous. Comment tu vas, Rodger, depuis tout à l'heure? Depuis ce long stream de l'après-midi. Ok, quelle heure est-il? Il est midi. Toujours bien, bah je vais toujours bien. Ok, alors, je vais aller voir un petit peu au niveau des quêtes. Contrat sur les ghouls. Pour accomplir ces quêtes, vous devez avoir débloqué la page du bestiaire consacrée aux ghouls. Je dois récupérer le sang de 5 ghouls. Ok, et je l'ai où? Ok, on va l'entrer dans le journal, ouais. Boîte de dés, ok, mandat d'arrêt, ok. Parce que si ça tombe, j'ai un livre sur moi qui me permettrait de... Contrat sur les noyeurs... C'est quoi ça, contre les non-humains? Glossaire elf... Ok. Ça m'aide pas plus. Je vais continuer à aller explorer de ce côté-là. Feu de camp, maison d'arène brog, marchandises d'arène. Je vais aller voir là-bas, on sait jamais. Donc ici il faudra que je revienne pendant la nuit. On va aller de l'autre côté, voir s'il n'y a pas des choses intéressantes. Il faudra que je retourne à l'auberge pour parler à notre ami Zoltan. Monsieur, moi ce que j'aime bien c'est que je suis chez des bons deals et chez des malfrats, et les mecs ils me laissent aller venir chez eux et prendre tout ce qu'il y a dans leur tonneau, leur armoire. C'est des mecs incompris en fait, parce qu'ils sont super sympas. Ils ont une cave fort sympathique aussi. Tout va toujours bien de votre côté? Ah, je suis arrivé de ce côté-ci de la ville. Ok. Je suis dans une maison. Monstre ou pas, tu pourrais te rendre utile. À dinager. Oh nickel, cool. Vin rosé. Putain, vu tout l'alcool que je transporte, je suis plus un alcoolique qu'autre chose en fait. Le révérend s'occupe de moi maintenant. Et comment es-tu arrivé ici? Le révérend m'a arraché des griffes d'une sorcière. Des griffes? C'est comme ça qu'il a dit. Et ça te plaît de vivre ici? C'est ma chance de devenir quelqu'un de bien. Je croise les doigts pour toi, petit. Ça sent le gamin qui vient. Ouais, c'est ça. Protéger aux femmes, le sorceleur est là. Parlez! Je peux gaspiller mes points, j'en ai plus de 5000 mous.
Exact, exact. Ouais, en plus, mettre son message en avant, ça coûte pas grand-chose. Vous avez pris Alvin sous votre aile. Vous avez pris Alvin sous votre aile. Alvin. J'ai fait mon devoir. Devais-je laisser la sorcière le corrompre? Ça veut tout dire. Je suppose que non. Lorsque je ne serai plus, les gens auront besoin d'un nouveau guide spirituel. Ok, et vous serez son précepteur. Et vous serez son précepteur. Oui, vous avez vu juste. Et vous comptez changer de fournisseur de postiches de barbe? Parce que là, c'est pas du tout réussi. Mais apparemment, Rodger Freezer a déjà une idée pour l'illustration qu'il voudrait bien me demander. J'attends avec impatience, teinté d'un petit peu d'appréhension quand même. Et on est reparti, je suis The Witcher. Alors je... Qu'est-ce que vous voulez, garçon pauvre, cassez-vous. Oui, je stack pour ses futures idées. Mais lâchez-moi, j'ai pas d'argent. Je suis The Witcher. Va dire à ta maman que j'arrive. Elle est où cette auberge? Elle est pas loin. Ça va, ils ont été prévenir leur maman que j'arrivais. Hello Maxou, how are you? Ils te prennent pour leur père. Non, ils me prennent surtout pour leur bourse. Il faut savoir. Bonjour madame. Oh, je l'ai bousculée. Et elle s'est mise dans une position biscornue. Tu lui laisses le premier, ok, Freezer sera le premier. Ah, enfin, il y a Twitch qui reconnaît mon talent et qui affiche le bon nombre de personnes qui sont en train de papoter sur mon stream. Merci Twitch, tu es fort bon. Alors, cercle des éléments, grotte, mais où est-ce que je dois aller? Putain, c'est là-bas que je dois aller. Comment allez-vous tous? Bien le bonsoir, welcome. Non, c'est juste moi qui compte pour 4. Ah, c'est toi qui compte pour 4. Oh, ok, d'accord, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, non, mais ouais, ça doit être ça. En fait, je parle avec deux autres personnes qui existent, mais tant que t'es pas là, en fait, elles comptent pas. Ça y est, j'arrive à peine ici, il se met à pleuvoir. Non, pas de mission pour vous. Non, pas de mission pour vous. Quand est-ce que les portes de la voyageur, le dessin est pour nous ou pas? Bah, j'aimerais dire oui, mais il faut juste que je réfléchisse comment je vais faire en fait pour l'envoyer, parce que je vais faire en version digitale et j'ai pas une imprimante correcte pour le faire, donc je peux l'envoyer en version digitale. Ouais. Il suffira juste de m'envoyer votre adresse mail. Et comment vas-tu, mon ami? Je compte ouvrir un commerce à Vizima, en apportant des marchandises de Mahakam. Les Breckenrigg veulent me forcer la main. Je sais pas si tu vas vendre beaucoup en ne clignant jamais des yeux comme ça. Les Breckenrigg. Les Breckenrigg? Je compte épouser Eudora Breckenrigg. Mais ses parents exigent que j'ai une bonne situation. La mine de la cause commune où j'ai travaillé après la guerre a été un échec retentissant. Change de coiffure, peut-être. Mais comment vas-tu? J'ai trouvé ces drôles j'ai de dés nains. Ces drôles de dés de nains. C'est des petits nains. C'est du poker au dés. Enfin, c'est des petits dés. Très divertissant. Ça demande moins de concentration que les cartes. Mais on se marre autant. Les dés sont une aventure des nains. Ils sont devenus populaires après la guerre. Pas étonnant, vu que tous les mercenaires y jouaient. Ouais, on a inventé des trucs. Et comment ça se joue? Oh, chouette. Ouais. Je t'expliquerai. Ouais, j'adore ça. C'est pas du Gwent, hein, mais c'est le précurseur. Vous pouvez gagner un peu d'argent en jouant au poker, au dé. Choisissez votre mise et cliquez sur l'icône de lancer de dé. Vous pouvez ensuite augmenter votre mise et choisir les dés que vous voulez relancer. Le gagnant est celui qui a la meilleure combinaison. Ouais, c'est le principe. Pardon, du poker menteur. Ça, c'est cool. Alors, commencez la partie. Je fais quoi? 3, 12, 20. J'ai combien? J'ai 198. Je vais faire 3 pour m'entraîner d'abord. Lancer les dés. Non, je ferai 12 après. Ok, alors j'ai quoi? J'ai 6. Ouais. Et 2, 4. Putain, c'est un super lancer, ça doit être le tuto ça.
Vous avez un full adversaire à une suite aussi. Merci, maman. Bien sûr, j'ai même plus 30, quoi. Allez. Let's go. Manche suivante. Un, 5, 3, 4. Il me faudrait un 2. Il s'est couché, t'as misé trop d'un coup. Bah oui, mais en même temps, j'avais un full. Et il voit ce que j'ai. C'est même pas du poker menteur, au final, c'est... Ok. Donc là, j'ai choisi les dés à relancer. Si j'arrive à faire... 1, 2... Merde. Vous avez perdu la partie. Ok, il n'y a qu'un relancé possible. Attends, sérieux? Il vient de me replumer de ce que je viens de lui gagner. Allez, je relance. Une chance sur 6, tu prends trop de risques. Oui, oui, je sais, Max. On sait jamais. Alors, j'ai 3, 5, 4, 4, 2. Oh putain. Il a quoi? J'ai une paire. L'adversaire a un full. Vous avez une paire. Alors, 1, 2, 3. Il a un full, il me faudrait un carré pour le battre. 4, 3, 4. Je sens qu'on va passer la soirée sur ça. Oh fuck, fuck sauver le monde. Ah, j'ai rien gagné. Comment se faire winner? Bah, j'ai gagné, non? J'ai 240 pièces d'or maintenant, c'est nickel. J'ai gagné une partie, j'ai perdu une partie avec la main de mise. Oh non, en fait, j'ai rien gagné. Mais c'est pas grave. Au moins, je sais comment faire. Bonjour, mon brave. Voulez-vous participer? Voulez-vous participer à un concours de dés? 3 onces d'optimamater. Ah ouais, lui, c'est la chimie. Mercury. Oh, pardon, j'étais perdu dans mes pensées. Salutations. 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 Alksten, alchimiste. Salutations. Geralt, sorceleur. Gnor, streamer. Combien demanderiez-vous pour me laisser examiner votre corps? Je suis encore en vie. Vous rendriez un grand service à la science. D'accord, je n'insiste pas. À dire mais à ta maman que j'arrive, toi. Pour quelqu'un qui respectait la science. Je respecte la science et les scientifiques. Les alchimistes aussi, d'ailleurs. En retour, j'attends qu'on me respecte. On va demander à Brennos d'ajouter le jeu. Peut-être accepteriez-vous une autopsie, alors? Le jeu au lire du JDR. Au lore du JDR. Chute libre. Oh oui. D'accord, des parties bon. De dés. Oh, enfin, ouais, en même temps, tu joues un JDR, c'est déjà à base de lancer de dés. Hein, on dit que vous recherchez du sang de Gaulle. Et vous en avez? Je reviendrai vous voir quand j'en aurai. Sans ce sang, en fait, Freezer, pour te resituer la situation, Brennos, en fait, nous avait fait une partie de JDR il y a quelques temps, quelques jours, une semaine ou deux, basée sur son univers à lui, mais sur les règles de Open Quest. Son univers à lui, donc il a écrit un livre, il a programmé toute une saga littéraire. Et donc il nous a fait plonger dans un JDR très très dark fantasy qui était basé sur cet univers-là. Et franchement, ça a été une de mes meilleures expériences de JDR jusqu'à présent. J'attends la suite avec impatience. Et Maxou proposait d'inclure cette partie de dés-là en plus. Qu'est-ce qui vous amène? Vous n'avez pas l'air d'être d'ici. Vous demandez toujours aux gens la permission de les examiner. Je voulais vous parler d'alchimie. Je voulais vous parler d'alchimie. Enfin quelqu'un qui a de la conversation. Et moi qui craignais que les gens d'ici ne s'intéressent qu'à leur banal quotidien. D'abord, je ne suis pas du coin. Ensuite, si tous les paysans se tournaient vers l'alchimie, il n'y aurait plus d'alchimistes, car nous crèverions tous de faim. Ah, vous ne voyez pas plus loin que le bout de votre nez, sorceleur. L'alchimie est la mère de toutes les sciences, car elle permet de comprendre le monde.
Tout ce qui vous entoure repose sur cette alchimie que vous... Et moi, je suis sorceleur. Fais gaffe à ta maman. Votre corps produit en permanence des réactions alchimiques. Ah oui. Quand vous mangez, respirez ou allez à la selle... À la selle, pataclope, pataclope, pataclope. Elles sont à l'origine de vos pensées et de vos sentiments. L'alchimie, c'est la vie. C'est la vie. C'est comme le gras. Il est sympa, ce doubleur. Ouais, il se fait plaisir. Nul ne peut baïonner la science. Mais bon, que désirez-vous savoir ? Comment fabriquez-vous vos bases alchimiques ? Où trouverai-je les ingrédients ? Les formules m'intéressent. Hein, j'adore les formules, gars. Nous avons les moyens de vous faire formuler. Comment fabriquez-vous vos bases alchimiques ? Il vous faut un équipement adéquat pour obtenir ce bon distillat. Adéquat. Personnellement, j'utilise un ataraxique combiné à un alambic et équipé d'une colonne rectificatrice et d'un refroidisseur en cuivre. Et si je n'ai pas d'ataraxique sous la main ? Je vois. Recherche sur le terrain. Olaf doit avoir une vodka correcte ou de l'alcool pour servir de base alchimique. Ok, donc lui il se fait chier à faire des alambics bien compliqués, mais tu peux prendre une bonne binouze bien alcoolisée, ça passe. Où trouverai-je les ingrédients ? Si vous comptez vous procurer les ingrédients tout seul, il vous faut des livres avec des illustrations et des descriptions des ingrédients d'origine végétale et animale. Vous pouvez aussi faire appel aux marchands, mais ils sont hors de prix. Pour les tissus de monstres et l'organite, à votre place, je ferai appel à un chasseur ou à un sorceleur. Oh oui, bien, je vais faire appel à un sorceleur pour me procurer les éléments des monstres que je serais éventuellement amené à chasser. De toute façon, donc le mec, il a pas compris que j'étais moi-même sorceleur. Les formules m'intéressent. Les formules prêtes à l'emploi sont rares et chères. Je vous encourage à expérimenter et varier les formules que vous connaissez déjà. Et la plupart des gens sous-estiment l'importance de la méthode empirique. La méthode empirique, que le monsieur t'a dit. Empirique. Changeons de sujet. Mais nous venons de commencer. Oh ben, t'avais plus rien d'autre à me dire, y'avait plus de choix. Adieu. En fait, j'ai plein de quêtes à faire, mais tant que j'ai pas trouvé les bouquins pour buter les bonnes personnes. Oh là, mon brave. Enfin, expérimente des potions potentiellement mortelles. À qui ai-je l'honneur ? Le Varden, marchand. Ouais, enfin, ce dit en passant, il a certainement l'antidote en même temps. Tu fais jamais un poison sans faire un antidote. Dans la grotte de l'autre côté des remparts de Vizima. Vous croyez qu'il est mort ? Je l'ignore. Mais je vous donnerai 200 orins pour le secourir et lui offrir une sépulture décente. Acceptez-vous le travail ? D'accord. Mon ami voulait pénétrer dans Vizima au mépris de la quarantaine. Mmh. Pourquoi cette grotte en particulier ? Il paraît que les contrebandiers empruntent cette voie. Je vais voir ce que je peux faire. Et moi, je voudrais entrer dans ta maman en passant outre la quarantaine. Alors, un vieux fardeau. Je dois trouver le compagnon de Levarden dans la grotte sous les murs de la ville. Il y a une ville. Il y a des murs. Et il y a des grottes sous les murs. Bonjour, mademoiselle la serveuse. Je peux vous donner un destin bien plus plantureux que ce qui vous attend ici. Caméra 1, caméra 2, caméra 1, caméra 3. Pas de caméra. C'est rigolo. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre éventuellement ? Ouais, toi t'es chez moi, c'est cool. Eux ils se tapent dessus, bon bah y'a plus rien à faire ici. Quelle heure restait-il ? Il est 13h30, aucun danger. C'est pas la porte de sortie en fait. Ils savent pas mettre des flèches. Quand même pas compliqué. Galsten, ok. Ok, bonsoir. Non, la porte elle est là. C'est pas facile hein, de se repérer dans ce truc. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant ? Toi là, t'es un herboriste. Give it to me, baby. Ils sont pas en ordre de signalement des sorties de secours. Bah, déjà. Et puis je suis sûr qu'ils ont pas de détecteur de fumée. Alors, les plantes souterraines. Je sais même pas si j'ai... Ça coûte 300, les mecs. Pourquoi vous fourguez vos cochonneries aussi chères ? Et si les pompiers débarquent, ils vont faire fermer ce tripot ? Bah, si c'est un tripot, je pense que les fermiers vont surtout s'asseoir, commander une bière et... les pompiers, pas les fermiers. Les deux vaches. Ah, tiens, tu voulais me vendre tes trucs bien chers, bah, je vais te revendre des merdes. Jus de framboise régénère de l'endurance. Vous pouvez également le vendre ou le donner à quelqu'un. Moi, je fais mes propres potions, mon monsieur.
Merci, ordonne de l'équiper. J'en profite pour vider un petit peu mes sacs quand même. Maxou est en forme ce soir. Ouais, Maxou est toujours en forme, c'est juste que parfois Maxou n'est pas là. Et là tout le monde est triste. Mais Maxou est là ce soir, et Maxou est en forme. Tulipe, vous pouvez vendre les données à une femme. Bah, d'ici à ce que je les donne à une femme, je pense qu'elles seront un petit peu fanées quand même. Mais c'est pas grave, je suis un poète, un érudit, un amant hors pair. Et allez cacher vos mères. Je pense que ce sera la phrase de la soirée. Va cacher maman, bonhomme. C'est dur la vie de soldat. Ouais, c'est dur la vie de soldat. Imagine la vie de sorceleur, hein. Obligé de pourfendre et d'oxyre et pas forcément dans le même ordre. Bon, qu'ai-je à faire? Je suis ici. Feu de camp. Je vais aller passer un peu de temps au feu de camp. Aller voir si le moral des troupes est bonne et tout et tout. Oui, enfin, à mon hors pair uniquement après une petite gorgée de bibine. Bah, il faut se donner du cœur à l'ouvrage, hein. Est-ce que je saurais sortir du camp si je reste ici pendant la nuit? Bah oui, je suis un sorceleur. Of course. Wait a moment, please. Non. Stop. Stop. Comment on fait pour des codes ici? Non. Non. Tu l'as sûrement déjà dit, mais ton examen s'est bien passé. Mon examen s'est bien passé. Ouais, c'est l'examen... Ah oui, il y a ce truc-là ici. Mon examen s'est super bien passé. On avait 2 heures d'examen de prévu. Au final, 80-90% des personnes étaient déjà sorties au bout d'1h30. En fait, quand le prof a dit... Après avoir passé la compréhension de l'audition, qu'il n'y avait plus besoin, que c'est maintenant, dur, dès qu'on avait fini, on pouvait remettre les papiers. Là, j'ai vu la blinde de monde se lever tout d'un coup. Pourtant, il n'y avait pas de Danette. Et direct, quoi. D'un seul mouvement, tout le monde s'est levé. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est un peu comme les bardes. Comment dire? On illumine un peu l'histoire et les légendes. Cette référence est datée. Quoi, ils sont levés d'un seul homme? C'est une référence à quoi? Non, maman, la bête vient te chercher. Ouais, j'arrive. Ton chat aussi est mouillé. Il y a plein de textes chelous dans tout ça. Tout le monde se lève pour Danette. Ah oui, j'ai pas fait de référence à Danette. Puis je te ferai remarquer qu'on peut pas dire les marques, je suis pas sponsorisé. Tout le monde se lève pour... Ah, tu m'as foutu la chanson en tête. Si. Si. Si, je suis sponsorisé, c'est vrai? Je ne savais pas. Tu l'as fait? Non. J'ai dit tout le monde s'est levé d'un seul mouvement, j'ai jamais chanté la chanson de Danette. Ah si, après, quand t'as fait la référence, parce que ça me trotte en tête, non? Ouais, c'est pas grave. Vous savez, en fait, j'ai un truc. Je l'ai peut-être déjà dit à certains. Quand j'ai une chanson, une rengaine qui me trotte en tête, quand je chante le générique de Miracoli, et bah ça efface, mais instantanément. Et ça marche dans 100% des cas. C'est ce que j'ai appelé une chanson d'effacement. Dès qu'il y a une rengaine qui me trotte en tête, boum. Tu as dit, pourtant, il avait pas de Danette. Je demande l'arbitrage vidéo. Bah t'as qu'à faire un clip où je le dis. Dépêche-toi parce que les clips ils sont pas disponibles très longtemps. Et y a pas moyen de louer un scooter ou un truc comme ça ici. Bah un jour je suis le sorceleur en mobilette. En mobilette. Rangez vos mères, je débarque.
Je suis sur GSM, faire un clip, c'est pas évident. Tu cherches des excuses, Maxou, quand on veut, on se donne les moyens. Bon, profitez de la musique calme, parce que là je vais aller pioncer 5 minutes, et puis après ça va être la baston. Putain, je veux faire E, parce que j'ai l'impression que je le prouverai avec le replay. Si tu veux. Bah alors il faudrait que tu ailles sur le replay, parce qu'en fait ici, enfin j'en profite qu'on est un petit peu abandonne jamais réussi sur GSM. J'en profite ici, en fait je me rends compte que vu que la plupart d'entre vous est toujours là en stream, c'est un peu redondant de retaper tout sur ma chaîne YouTube. Et au final ça fait beaucoup de spam sur le Discord, donc je vais éviter d'en mettre beaucoup moins. Je ne mettrai principalement plus que les temps forts éventuellement. Que les clips, je vais récupérer tous les clips et à mon avis je vais faire pour les 1 an de la chaîne, je vais faire une petite vidéo qui rassemble tous les clips depuis le début. Mais donc je vais mettre beaucoup moins de choses sur la chaîne YouTube. Je vais essayer de faire des choses qui sont différentes par rapport au stream, comme ça quand vous irez les regarder, au moins ce sera du neuf ou en tout cas du reformulé beaucoup plus fun. Donc pour ceux qui ont compris le pas français que je viens de parler. Donc voilà, donc ne vous étonnez pas, on va faire beaucoup plus de streams, donc il n'y aura pas beaucoup plus de vidéos sur la chaîne YouTube, mais il y en aura un peu moins, et le moins qu'il y aura, ce sera un peu plus qualitatif, j'essaye. Là par exemple, je suis en train de terminer la mise en page de l'Amazon, et après je fais le montage vidéo, et après je le posterai, mais donc là ce sera une vidéo courte, je vais essayer qu'elle fasse au moins 15 minutes. Tu vas éviter d'en mettre beaucoup moins, tu vas donc en mettre... Putain, t'es chaud au taquet, Maxou, ce soir. Waouh, truc de barge, quoi. Tu vas reprendre tous les trucs que je vais dire. On va quand même lancer la suite de la quête, parce que si j'ai 30 heures de jeu minimum... Ok, it's the night. I'm afraid. Beware. Beware, mother. I'm here. Alors... C'est quand tu veux, hein, Gringo. Attends, ça je vais dégager parce que j'en ai pas besoin. Je vais surtout mettre de l'hirondelle. Hirondelle. Une hirondelle ne fait pas le printemps. Ok. Alors, c'est WXC. Ok. Hello, little boy. D'apprentissage de l'alchimie et du jeu de dés, on n'est pas sorti. Oh, ça va. Si t'es pas content, t'aurais bien regardé le replay. Je suis un maître Jedi. Ah ouais, merde. Ça va, je me débrouille de mieux en mieux quand même. Mais tu vas mûrir. Mais tu vas mûrir. Que le peur de... Bon, je rappelle, je l'ai pas noté sur la vidéo, mais on est en hard mode, hein, si jamais. Donc ici, on n'est pas là pour rigoler. On est là pour faire des trucs professionnels. Va falloir que j'arrête de parler avec cette voix, en fait, parce que sinon ça va gâcher toute l'expérience vidéoludique qu'on est en train de vivre. Qu'il est en hard. Ouais, c'est ce que je viens de dire.
on se rejoint. Tu fais juste mauvais acteur pour un jour. Bonjour, c'est Michel. Michel, bah, le réparateur. Oh quoi? Je suis content d'être là ce soir, j'en profite. Bon, ce qui est bien par contre, c'est que je suis sûr de les mettre à terre avec un petit coup. Je ne sais pas s'il y a des bons acteurs porno par contre. Ah, je ne rentrerai pas dans ce débat. Ok, fin de quête. Est-ce que ça fait passer la nuit? 4000 Hafkaren. Bienvenue. Bonjour. Nendwan, et c'est Vatkern. Vous ne nous intimiderez pas, sorceleur. Où est Arenbrog? Il nous a promis des spécialités à Vekar. Je n'aime pas votre ton. J'en sais rien. Aren ne m'a pas parlé de vous. Je ne faisais que chasser des noyeurs. Vartel Nen, vous n'êtes ni un Ainsaid, ni l'un de ces satanés douanes. Nous allons prendre nos armes et partir tranquillement. Ces marchandises appartiennent à Aren. Par contre, il y a des actrices porno bonnes. Bah écoute, si tu veux, la prochaine fois qu'on se voit tous les quatre, on en discutera, on en débattra avec Laura, avec madame. Et, malade et affamé. Et on en débattra longuement. Contiennent de la nourriture, des médicaments. Ce sera un débat dur. Car nous ne pouvons pas nous rendre à Vizima tous les jours. Je vois ce que vous voulez dire. Ce sera très dur. Bien, nous n'avons pas le choix. Mais vous, si. On pourrait faire ça autour d'une... Je sais pas... d'une tarte aux pommes chaudes sortie du four. Très bien, prenez les caisses. Désolé, mais je travaille pour Aren. Vous allez devoir trouver vos spécialités à Vercaire, d'ailleurs. D'un autre côté, je viens de lui dire que je travaillais pas pour lui et que j'étais pas au courant, donc... Très bien. Je m'en fous. Prenez les caisses. Cassez-vous. Nous ne sommes pas des criminels. Un elfe chauve. Nous paierons. Oui, mais il a les oreilles nous pointues. Nous avons de l'or, des pots, des plans. En soi qu'il ait des... Il a des cheveux à l'arrière. Voici l'or. En soi qu'il ait des cheveux ou qu'il nous en ait pas, enfin, ça reste un elfe, donc je m'en fous. Nous reviendrons chercher le reste plus Dwarf tard. Dwarf Power. Les noyeurs ne devraient plus vous ennuyer. Normal, Vatkern. Arrête de parler ta langue chelou. Non, Dijal. Laisse-moi récolter des cerveaux, bonhomme. J'adore récolter des cerveaux, gars. Les cerveaux, c'est la vie. Par contre, normalement, il y a une bestiole qui doit pop ici. Il y a une bestiole qui est censée pop et je suis censé pouvoir récupérer sa tête. Moi, c'est sa tête qui m'intéresse, en fait. Oh mon dieu, les pigeons nocturnes. Des pigeons de l'enfer. Si je vais un peu plus loin, peut-être. Piti piti piti. Non, personne. Je dois faire quoi maintenant en fait? C'était plus facile sur WoW ces dernières années quand les quêtes elles étaient indiquées sur la map, hein, franchement. Un contrat sur les noyeurs. Je dois voir le révérend pour me faire payer. Pas vendre les cerveaux. Denis, soyez temps de m'occuper de la salamande, ça on s'en fout. Secret de Berengar, ça j'ai pas encore trouvé. Rechercher. Sous les murs de la ville, mais je suis pas loin des murs de la ville, donc on pourrait. Oh, tu fais chier. Je suis en train de réfléchir. Récupérer les composants, parce qu'en plus ça, il m'en faut. Les nouveaux jeux sont trop assistés. Ouais, non, t'as raison. Les nouveaux jeux sont trop assistés. Ou alors c'est pas forcément les jeux qui sont assistés. On me la fait pas, moi, bonhomme. Ouais, j'ai plus de. Ouais, ça dépend, hein, parce que. Enfin, un peu d'assistance, c'est jamais désagréable. Mais trop. Ouais, là ça va pas par contre. C'est bien en fait la nuit, même si on est en hard mode, j'arrive quand même à farmer les compos, c'est cool. Il y a un moyen de passer pour aller dans un souterrain sous le pont. Non, sous le château. C'est pas ici à mon avis.
Ça va, pour une nuit noire, elle est pas encore si noire que ça. On va retourner en ville pour voir un petit peu, farmer un peu les barguesses. Je dois pas justement avoir... N'empêche, la nuit, tu peux pas faire trois pas sans te faire agresser. Ouais, depuis. C'est ça, la vie de The Witcher. Je plains les habitants. Bah, les habitants, si tu regardes, la moitié des villes, elles sont... Enfin, la moitié des habitations, elles sont abandonnées, donc... Un petit truc qui me rajoute de élixir inconnu, appuyer sur CTRL et sur le bouton gauche de la souris pour diviser le tas. Je vais éviter de boire un truc qui me file des trucs chelous. Améliore les réflexes et les temps de réaction. Améliore les chances de parer et esquiver les attaques. Non. Enfin, quoi que ça pourrait être intéressant. Ce que je voulais. Ouais, je les ai revendus. Bah oui. Forcément. Qu'est-ce qu'il y a? Bien. En fait, le métier hardcore dans The Witcher, c'est astronome. Pourquoi? Pourquoi il y a un métier? Il y a réellement... Tu parles du métier en général ou tu parles qu'il y a une profession qu'on peut apprendre qui est astronome? Bah, je sais pas, hein, je préfère toujours demander. Ah, je peux pas... Il va falloir que je pense à augmenter ma parade. Oh, c'est trop mignon, c'est quoi ça? Tu parles en raison du fait qu'il y ait des nuages ou qu'il fasse jour en pleine nuit? Où est-ce que je veux aller en fait? Je suis ici. Je vais aller au feu de camp, on va faire passer un peu la nuit. Donc pour bosser, ils doivent affronter des armées de monstres. Bah oui, mais ils, en pleine journée, ils construisent les tours. Arrête de le perturber, Maxime. Ouais, c'est ça. Rodgar, il pense à moi quand même. Rodgar, il est gentil avec moi. Toi, t'es toujours là à me perturber et... C'est quoi ces bruits chelous? Puis je tourne en rond, je sais même pas ce que je dois faire. Je sais jamais ce que je dois faire. Après, il réfléchit pour rien. Ok, je mets en pause, je vais faire un petit bisou, j'arrive. Et comme il n'a pas beaucoup de RAM, ben oui, normal. Ma barque, elle prend en l'eau. Boum, boum. Il est où le feu? Je le voyais, hein, il y a pas encore 5 minutes. Il est juste à côté de moi, en fait. C'est juste qu'il est éteint. Ah, il va falloir que je l'allume. Bah oui, forcément. Fin de soirée, ce sera un bug système. Il fait de drôles de bruit quand il fait un bisou. Comme... Non, en fait, j'ai fait un bisou et puis après, je me suis mouché. Ça n'a aucun lien, soit dit en passant, mais j'en avais fort besoin. Alors, Hard, normalement je devrais bientôt avoir Igni. Pardon. Nécessite le niveau apprenti, nécessite un talent argent. Je suis sorceleur débutant. Niveau actuel 6, vous avez actuellement de ce moment-là. Il vous faut pour passer au niveau suivant. Ok, donc je peux pas monter pour le moment, donc je vais peut-être stacker... Ah mais non, c'est des talents d'argent qu'il me faut. Là, c'est des talents de bronze, donc autant monter des trucs de bronze. Je vais me passer en argent ou en acier. Pour le moment, j'ai qu'un glaive d'acier. Je fais quoi? Je garde... C'est quoi ça? Ici, de consommer un mutagène. Ici,
Décide de consommer un mutagène. Ça me permet de créer des huiles. Yes. 2 heures de farniente. Ok, en endurance, qu'est-ce que je pourrais mettre? Endurance, régénération d'endurance plus 5%, résistance au poison. La régène d'endurance va être intéressante vu que j'utilise beaucoup mes symboles. Durée d'intoxication par la... Très important, soit très très important. Tout va bien. Alors, très important la résistance à l'alcool. Je vais mettre ça. Non, en fait, je déconne, mais je pense que ça doit être très important quand même. Régène d'endurance. 2. Oui. Ok. Méditation 1 heure. Est-ce que je peux préparer des potions? Potions. Je peux rien préparer pour le moment. On va méditer quoi? Jusqu'à l'aube? Okay. Ce qui est marrant, tu vois, c'est que tu te fais attaquer de tous les côtés pendant toute la nuit. Mais à partir du moment où tu médites, là, t'as une sorte de barrière d'invulnérabilité qui se crée et tout va bien. C'est pas comme si tu devais dresser un camp ou faire des trucs chelous quoi. Donc, je vais retourner rendre les deux quêtes que j'ai. Je suis où? Je suis ici. Donc je vais aller rendre la quête chez ce mec là. Et puis après on ira voir le révérend. Vu que j'ai les deux quêtes que je peux rendre. Je vais voir le révérend et... On n'emmerde pas un type qui médite, ouais c'est pas faux, c'est pas faux. Faut un minimum de savoir-vivre, c'est pas faux. Ouais. Ok, je vais aller rendre ces deux quêtes là. En fait je dois faire une quête pour Aren, je suis en train de la faire. Je dois faire la quête pour le gros chez lui, il faudrait que j'aille le trouver après. Sauvegarder, touche. Sauvegarde en cours. Merci de m'avoir rappelé. Minimum de savoir vivre et il faut aimer vivre le savoir. De rien, il y a que Rodgar qui a suivi. Merci Rodgar. Non, c'était pas ici. On sent le tueur professionnel. On sent le tueur professionnel, ouais, il cache ta femme. Sorceleur! Alors, j'ai tué les noyeurs, je suis tombé sur des j'ai elfes. J'ai tué les noyeurs, et je suis tombé sur des elfes. Je ne connais aucun elfe. Pourtant, ils vous attendaient. Qui sont-ils? Lascoatel, les écureuils. Des résistants non humains. Ceux qui collaborent avec eux sont pendus. Si vous me trahissez, ils vous pendront pour complicité. Je ne dirai rien. Mais pourquoi faites-vous affaire avec eux? Il faut bien gagner sa pitance. En tout cas, j'ai fait mon travail. Je vous avais sous-estimé? Dites-moi, que sont devenus les elfes? Nous avons discuté. Ils viendront avec leurs troupes pour leur marchandise. Oui, mais je trouve que la voix le rassure concernant le personnage. Tu vois, vu qu'il a pas une voix de super méchant, il y a peut-être moyen de négocier et tout. Les têtes de Lascoatel sont mises à prix. Oubliez cette histoire. Voilà votre dû. Je veux juste mon or et les informations sur la salamandre. Voici l'or. La salamandre rançonne les villageois. Et ceux qui résistent se font trancher la gorge. Le cancer, merci pour le follow, merci de nous avoir rejoint, comme vient de le moi, dire Sprimelmon. Moi, je ne me plaindrais pas s'il disparaissait. Installe-toi, prends un siège et enjoy. J'ai reçu 200 orins, super, je vais pouvoir aller acheter un livre. Ok, mission 2. Attends, il n'y a pas un truc d'autre pour moi. N'hésite pas à faire un petit coucou à la communauté. Pourquoi je bégaye? Vous avez autre chose pour un sorceleur? Vous avez autre chose pour un sorceleur? Ce paquet doit être livré à un homme du nom de Coleman à la taverne de l'Ours Poilu à Vizima. Et sans poser de questions. Forcément.
Je m'en charge. Ouais. Je m'en charge. Je suis là Coleman pour gagner vous paiera directement. Ok. Adieu. J'ai bien fait de lui poser la question. Et la tasse de café. Quoi la tasse de café? Quoi la tasse de café? Ouais, j'ai fini mon café. Si je bois trop de café, je vais pas savoir dormir. Non, j'en ai plus de toute façon. Ok, on va aller voir le révérend. Vu que j'ai les barguesses de tuer. Par où? De l'autre côté. Hop. Il y a eu un reflet sur mon... Ah ouais, c'est juste un reflet sur le médaillon, j'ai cru qu'il vibrait en fait. Donc je me suis dit, c'est bizarre, il est en mode détection quoi. Je change même pas en fait. Accompagné par votre présence, en fait, je n'ai plus peur de me faire attaquer dans le noir en fait. C'est dingue comme vous me faites un effet bénéfique au niveau du jeu. J'ai réussi à faire Dead Space que j'aurais jamais fini tout seul. Je suis en train de faire Sorceleur qui fait peur aussi. Alors, on dit que l'église du feu éternel offre une récompense pour les noyeurs. On dit que l'église du feu éternel offre une récompense pour les noyeurs. Seulement si vous prouvez que vous en avez tué un. J'ai des têtes de noyeurs. Ma récompense? Voilà. Le feu éternel trop puissant, votre ouais, chemin. Trop puissant. C'est vous qui éclairez le chemin de l'obscurité de ma vie. Seulement sans aura. C'est naze. Bon, alors, au niveau des quêtes, qu'est-ce qu'il me reste? Une partie de dés. Je connais les bases du poker, il est temps de les mettre en pratique. Ah, j'ai une quête. Ah, je me demande si on peut gagner de l'argent en jouant. Ok, alors, je pêche aucune nana, mais je suis un alcoolique qui joue au jeu. Ok. La grotte sous la ville. Grotte sous les remparts. Je suis pas loin, je vais aller faire un tour là-bas. Ouais, il faut que j'aide le Varden. Arenbrog c'est fait. Et il y aura le gros propriétaire terrien qui va nécessiter de l'aide aussi. Par où est-ce qu'on descend par contre? Lâchez-moi les petits. Oust. X-x. Sûrement un escalier. Ouais, voilà, des escaliers. Oh, des escaliers. Ok, là j'ai accès à la grotte. Sauvegarde. Attention, les égouts sont infestés de sales bestioles. Sans déconner. On est dans The Witcher, bonhomme. Je sais pas si tu connais. Ouais, comment gaspiller un silex pour rien. On est dans The Witcher, hein. Et puis si tu remarques à l'entrée... Ce qui vit dans cette grotte n'a rien d'amical. Ah, tu vois le concept. Ça, c'est des squelettes. Et ça, c'est un cadavre. C'est glauque, les cadavres, c'est pas bien. Est-ce que je peux la faire, seulement? Mais je suis déjà venu ici. Je viens en ami. Coucou. Ok, parti en pause. J'ai besoin de réflexion. On va déjà se mettre un peu de visibilité de base. Ugh!
Waouh, waouh, ça tire des projectiles en plus, c'est saloperie. Je suis empoisonné. Ah, chier. T'as pas une japonaise dans ton inventaire. J'aime bien le concept. Ok, ça sent mauvais. Ça sent mauvais et c'est pas moi. Putain, mais je suis en train de boire une potion et je peux pas bouger. Non, il faut que je me casse. Mauvais, mauvais. Impossible. Des tentacules. Ah, mais j'ai lu qu'après. D'accord. Ok. Là, c'est pour grave parce que je viens de claquer tout ce que j'avais à claquer en termes de potions. Au niveau de mes hirondelles, c'est pas le printemps, quoi. C'est un peu dommage, d'ailleurs. Oh là, les escaliers, c'est dur hein, pour un Witcher. Oh là, je suis fatigué. Allez, fatigué le bonhomme. Entrer dans une nouvelle région, Moulin. Je suis vraiment content de le savoir. Mais c'est pas des vrais moulins, y a pas de grandes voilures qui prennent le vent, d'éoliennes, voilà, c'est ça que je veux dire. Entrée du moulin, verrouillé. Mais ça sert à rien, là. Tu peux rentrer par l'eau? Ouais. Non, pas plus. Et je suis en train de prendre un demi-bain annuel. Des stocks, je sais même pas si ce que je prends est intéressant. Alors, faudrait que j'aille regarder un petit peu dans potions. Je peux pas prendre les potions maintenant. Et de tête, j'ai pas d'idée. Ok, donc le souterrain, c'est pas du tout faisable maintenant. Comme l'avait si bien dit Maxime, que j'ai écouté de toute façon. L'avantage, c'est que je vois comme en plein jour. Sursauter. Oh là, c'est dur. Va falloir que je maigrisse un petit peu parce que. En fait, avec le signe Igni, normalement, ça devrait aller un peu mieux. Qu'as-tu à nous dire, Maxime, sur la racine étymologique du mot Igni? Je suis sûr que tu as certainement des choses à nous communiquer, un savoir à nous étendre sur le terme. Pas Yves le terme, hein, mais sur le terme Igni. Gagner quelques sous. Garçon pauvre, et toi là, garçon pauvre, tu n'aurais pas quelque chose à me donner? Genre une quête, un objet précieux, miraculeux que je dois aller porter quelque part. Oh, et puis merde. Hey, GG Freezer, tu viens de passer level 16 sur le chat. Que d'activité, les mecs. Oh là là. Rodgar qui passe level 31 et quoi hier, non cet après-midi. Maxou qui monte, Freezer qui monte. Oh là là. Quelle montée en puissance. Si j'étais à votre place. Mais tu n'es pas à ma place. Tu n'es pas à ma place, jeune fille. Va cacher ta mère. Enfin quoique non en fait, vu ton âge, non. Donc là je veux aller ici. Vous êtes ici. Ouais, pas de soucis, Freezer. À ton aise. De toute façon, je suis encore là. Un petit peu. Un petit peu beaucoup. Bon, moi, je vous laisse déjà. Je suis claqué. Bonne soirée à tous et bon stream. Merci. Oui, on sait merci. Maxi, t'as un temps de retard. Mais merci, Rodgar, d'être passé. Merci d'avoir fait le show avec moi. Et repose-toi bien, et puis on se voit demain. Hein. Demain on est quel jour? Demain on est vendredi. Demain on se voit aussi en soirée. Alors, on continuera peut-être The Witcher. Je sais pas encore ce que je vais faire demain soir.
Bonne nuit, Rodger, fais de beaux rêves. Ah merde, je dois picoler avec le vieux. C'est quoi l'alcool que je suis censé... Salut petit. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Il a disparu. C'est un chien magique. À en croire le sang et les entrailles, c'était l'armure d'un guerrier. Mais ce gros lard était plus porté sur la gnôle que sur le glaive. Oui, enfin, soit dit en passant, une armure qui est encore pleine de tripes, de boyaux, enfin, c'est qu'elle n'a pas été nettoyée. Pourquoi la charrette est renversée? Pourquoi la charrette est renversée, Maxou? Je te le demande. Et pourquoi j'ai une vision chelou de la situation? Ah ouais, parce que je suis toujours sous... mon médicament un peu spécial. Vodka de Temeria, ok. Il n'y a pas autre chose. Je vais devoir picoler avec lui. Sandwich au poulet, très important le sandwich au poulet pour devenir un bon hiker. Odo. Odo. Qui va là? Odo. Un sorceleur. Et que faites-vous chez moi avec une arme au poing? Il a la voix française du papa de Samantha Carter dans, dans Stargate SG1. Je parle pas aux étrangers. Je suis Geralt. À présent, vous connaissez mon nom. Prenons un verre, maître Gervant. Gervant. On sait que les espions boivent pas. Alors, exact. Con. Les espions ne boivent pas. Ah oui. Oui, oui. T'inquiète. Je suis physionomiste de l'oreille. J'oubliais le plus important. Vous avez vu le révérend? Bien sûr. Bien sûr. Ah. Il nous a dit d'interroger les étrangers. Alors, vous pouvez boire de l'alcool avec des personnages pour obtenir des informations. Cliquez sur l'icône de la shop pendant les dialogues pour choisir une boisson. Ok, et lui c'était ça? Ouais. Ah non, je suis alcoolimisé. Fiche très diantre. Mais quoi? C'est tout? Passe ça! Oh merde, putain. J'oubliais le plus important. Bien sûr. Ah. Qu'est-ce que je vais lui faire picoler d'autre? Vin rosé? Passe ça! Oh, il est chiant. J'oublie. Bien sûr. Ah. J'avais qu'une seule bouteille, hein. Je vais lui faire boire quoi, du silex? Cric de Rivia... Zima... Oh, en bouteille? Oh, en bouteille. Bière ambrée de Kedwen, bière blonde de Redania. J'en sais rien, moi. Et dans le journal, à Odo... Mais c'est bon, arrête de me casser les... Personnage. Odo. Ok. Donc y a pas de préférence particulière sur son alcool. Bien sûr. Est-ce qu'il y a besoin de picoler pour avoir des infos si je lui dis du quoi? Bon allez, tant que j'y aille, ok Maxou, passe une bonne soirée, une bonne nuit. Ça. Absol. Bien sûr. Passe une bonne soirée à toi aussi, fais un gros bisou à Laura de ma part. Ça. Ok. On va aller... Enfin, il faudrait que je trouve un endroit où on puisse acheter son... Le révérend. Le révérend. Parti. Fainéant. C'est pas mieux. Non, attends. Reviens. Parti. Fainéant. Ah, putain, je me suis bloqué, cette quête. Et si je reviens à la tombée de la nuit avec de l'alcool? Je vais aller au bar. C'est là que j'ai réellement bloqué la quête et qu'il veut plus l'accepter sous prétexte que je suis un fainéant. Même pas vrai d'abord. La maman de sorceleur, elle a dit que j'étais très très pas fainéant.
soif. Peut-être déposer des trucs. Alors, pourquoi cette triste mine ? Pourquoi cette triste mine ? Je parle pas aux étrangers. Même pas pour Saint-Corin ? Ah, pour Saint-Corin, je veux bien embrasser un bar guest. T'es chaud patate, hein. La peste Zera. Les gens mouraient par dizaines. Pendant trois lunes, le village était que plainte et gémissement. Sans le révérend, on serait tous morts. D'où notre méfiance envers les étrangers. Vous savez pas ce que c'est de voir la peste emporter votre famille. Le révérend a prié jour et nuit le feu éternel, en refusant eau et nourriture. Sa pénitence nous a libérés du péché. Elle a renforcé notre foi. Ouais. On a purgé nos maisons du péché et de la souillure. Par le feu. Et le révérend s'est adressé à ceux qui restaient. Vous avez bien agi en purgeant vos foyers du péché. Ce fut douloureux. Car il se tairait parmi vous. Mais le feu éternel a déversé sa pestilence pour les punir. Vous êtes purs. Vous serez épargnés. On l'a cru, et on est sorti. Transpercé par le froid, on a fait pénitence, avançant à genoux pour prier dans chacune des cinq chapelles. En fait, ce qu'on sait pas, c'est que le révérend, il a des actions dans une entreprise de prothèses de genoux. Ont été les nouveaux malades par la suite. Voilà une histoire édifiante. Adieu. C'est louche. Bon, moi, ce que je voulais, c'était avoir accès à des services. Vous voulez quoi ? Je veux quoi ? J'aimerais déposer quelque chose. Alors... On va déposer tous les bouquins. Que j'ai déjà lu. Contrat sur les goûts, je vais garder les contrats quand même. Nouvelle entrée dans le journal pour mine. C'est quoi ? J'ai pas de nouvelles. Élixir d'œil d'épouvanteur de notre compagnie. Élixir de Cerbère. Contrat sage de garde. Graisse d'oie. Ouais. Tulipe, ça je m'en fous pour le moment. Ça j'en ai besoin. C'est quoi ça? Châle rouge. Ok. Sans du chou poulet, ça je vais le garder, on sait jamais que j'aurai faim. Ok. Et t'as rien à vendre en fait. Serveuse. Tenue. La serveuse, elle vend pas des boissons ou quoi? Où est-ce que. Que puis-je pour vous? Ouais, des marchandises. Alors, c'était ça. Vodka de Temeria. Ok. Je vais prendre les trois. J'ai de l'argent. Autant en faire bon usage. Et je fais quoi? J'y retourne. J'y retourne en soirée. Il faudrait que je fasse une partie de dés d'ailleurs. Hello, Zoltan. Gérald. Comment vas-tu? Parle-moi de Zekiroi, tu ne sais pas pourquoi j'ai disparu. On peut jouer de l'argent réel. On peut jouer au poker pour de belles sommes. C'est pas croyable à quel point les gens aiment ça. Des fortunes changent de main. Il y en a pour qui c'est très sérieux. Sans déconner. Comment je peux m'inscrire au jeu? Comment je peux m'inscrire au jeu? Je n'ai pas une secte. Mais les professionnels n'aiment pas perdre leur temps avec des débutants. Tu peux me recommander des partenaires pour débuter? Dans le coin? Odo qui s'est enrichi, personne ne sait comment. Aren, Mikul et moi. J'ai du menu fretin pour moi. Avizima, ça joue pour de bon. N'aie pas peur, je te laisserai une chance. Et quand est-ce qu'on n'est plus un débutant? Bah, tu gagnes quelques parties et les gens en parlent. 3-4 parties, tu verras. Cool, on s'y met tout de suite. Alors, poker RDD, novice, si je veux jouer sérieusement au poker, je dois encore battre. Donc il y a Mikul, je sais pas où il est Mikul. Il y a Zoltan, on va essayer de faire Zoltan d'abord. Jouons au poker. Alors, on va miser petit pour commencer. Alors, 5, 4, 3, 2, 3. Allez, alors, moi j'ai une paire, il a deux paires.
Ouais, il va peut-être essayer le full. Moi j'ai 3, 2, 4, 5. Ça fait 2 paires. J'ai perdu la partie. Ah, il a une meilleure. Merde. Bon, je suis loin. Donc pour le moment lui il a un brelon. Il a un fou. Je suis en train de perdre toute ma thune. Ok. On va aller picoler avec le vieux. Attends, il n'y a pas quelqu'un d'autre ici. Une bière. Non. À bientôt. Voyons ses marchandises. Une carrosserie. On n'a rien d'autre. T'as déjà Zoltan, c'était chaud patate, mais... Gérald. Par contre, je comprends pas le système de mise. J'ai 678, j'ai misé 12. 5, 6, 6, 4... Donc il y a 2 paires. J'ai une paire. Soit un 4. Je n'ai rien. Ah, une suite au 6. Putain. Donc si j'ai un 4, j'aurai une suite au 6 aussi. Lui, il va certainement rien relancer. Moi, pour bien faire, je suis censé tout relancer. Quoi. Comment je peux battre ça, quoi? J'aurais dû abandonner. Au mieux, je peux tenter une égalité. Ouais, merde. Wow, ça commence à faire beaucoup. Putain, c'est super compliqué. Quoi. Ah ouais, je dois aller voir le vieux. Ouais. Je vais y aller en plein jour, on va picoler sévère. Et on verra après ce qui se passe. J'espère juste que je pourrai racheter de l'alcool dans pas longtemps. Je peux encore voir dans l'obscurité.
Oh, attends, qu'il s'assoit. Ok. J'oubliais le plus important. Vous avez vu le révérend bien sûr. Bien sûr. Ah. Oh, ça va faire mal. Tant pis. Au moins, je pourrais me payer à boire. Et alors, le révérend m'envoie vous aider. Le symbole, vous êtes soldat. Il y a des monstres par ici où je vais au dé. Odo, visiblement, vous comptez tromper Maître Gervant. Quoi? Le révérend m'envoie vous aider. Et il pense toujours à moi. Il y a un problème dans mon jardin. J'ai un petit problème dans mon jardin. Laissez-moi finir. Pourquoi? Il n'y a pas longtemps, des plantes bizarres ont poussé dans mon jardin. Des plantes vivantes. D'abord, elles dévoraient les taupes et les insectes. Alors, où est le problème? Maintenant, elles sont hautes comme un homme, avec des branches géantes. Le jour, elles restent sous terre. Mais j'ose pas m'en approcher. Ça vous coûtera 120. Je vais voir ça. Ça vous coûtera 120 orins. Je vous en offre 50 orins. Buvons à notre affaire. Trou de bol. Cent vingt. Ni plus, ni moins. De plantes, de rien du tout. 70 orins. J'ai dit 120. Il me faut vivre, boire. Allez, d'accord pour 80. Santé ? Santé ? Non. Le monsieur, il t'a dit 120. Tu lui payes 120. Et je dors. Ça nettoie l'estomac. 100. D'accord. Et un dernier pour la route. Oh là 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 là. Oh là là. J'ai rien pour m'aider. Équinope. J'ai plus de potions. J'ai plus de potions. C'est chelou de se battre complètement beurré. Et attaque, attaque. Thank you.
Putain, ça prend des plombes, c'est quoi le merdier là-dedans? Attends, ça prend des plombes, je suis en train de faire que dalle, quoi. Base de quantité aux enduits de lame. Quand tu veux. Ah mais attends, je suis con, ça tombe ou je pars sur la hache. Non, je vais crever. Cette arme ne peut pas être utilisée avec des cibles de combat de sorceleurs. Ok, mauvais, c'est pas grave. C'est bon, il y avait une sauvegarde juste avant. Je m'en fous un peu. Bizarre. Quoi, y a un pattern? Est-ce que je dois appuyer pour que... Si je dois me farcir ça pour les plantes. Ok, ça marche pas.
pas. Il n'y a que le style rapide qui marche. Et c'est une fois sur 30 quoi. Alors si je crève encore ici, je vais devoir aller mater mater une soluce parce que en dessous quoi. Si je m'éloigne, je me fais tirer dessus. Le chien il m'aide pas dans ce cas-là. J'ai pas d'explosif. C'est ça en fait, c'est d'attendre que les fesses soient estompées de l'alcool pour me battre correctement. Oh là là, oh, on va aller voir un petit peu quand même. Alors, les équinobes sont immunisés contre tous les... Les plantes monstrueuses qui poussent dans des endroits où des crimes terribles ont été commis, ces monstres essaient de se venger des criminels, mais ils n'épargnent pas les vies des pauvres innocents. Ok. Et donc, l'immunité. Ils sont immunisés contre tous les effets qui influencent l'esprit, terreur, étourdissement, signe d'axie. Ils ne ressentent pas la douleur, ne peuvent ni empoisonner, ni aveugler, ni renverser, ni se vider de leur sang. Les ignobles sont sensibles à l'argent et très vulnérables aux tentatives d'incinération. Sans déconner, c'est des plantes. Tactique, les équinobes poussent dans les terres, mais ils lancent des épines empoisonnées. Ok. Et donc, je fais comment pour les battre ? Utilisation, source, malédiction à leur victime, vieille femme, vieille... Ça me dit pas comment les tuer. Contre sur les équinopes. Non, Didial. Est-ce qu'il y aurait moyen de... Il y a pas une méthodologie pour les buter proprement. Une strat. Comment vaincre les équinopes? Ok. Je me fais toujours étaler comme... Attaque avec une torche en arme secondaire, ça marche bien. J'ai pas de torche moi en arme. Est-ce que j'ai des torches? Je ne sais même pas. Je pense pas. Non, j'ai pas de torche. J'ai une hache. Je peux plus rentrer là. Courir, je cours pas assez vite. Combien de temps? Ivresse, c'est pas indiqué. Peut-être qu'en courant ça va faire partir l'ivresse. Il y a un feu, j'ai vu pas loin. Peut-être que si je vais choper une torche ou un truc comme ça. Ça
Ah oui, ils étaient pas deux, il était tout seul. Extra. Faut de con. Est-ce qu'il y a moyen que je crafte une torche? Juste de la chimie. Je peux faire Will contre les charognards. C'est tout. Et pour faire une hirondelle, il me faut quoi? Il me faut... tous ces trucs là. Ok. Carte, porte, on s'en fout. Équipement. Je peux pas crafter des torches. Tant pis. On va devoir trouver une autre solution. Peut-être attendre que l'alcool passe. J'ai un sorceleur. Je vois pas tes plans, elles sont où? Alors, chat, pas besoin. Blizzard, oui. J'ai bien envie de l'essayer quand même. Ça peut pas faire pire que ce que j'ai déjà. Miel blanc. Réduit l'intoxication à zéro et annule les effets des autres élixirs. Ouais. Il n'y aura pas moyen d'avoir une torche dans le truc ici. Et puis comment ça se fait que j'ai pas encore de glaive d'argent? J'ai vu un truc. Porte verrouillée. Non? Si je vais jusque là-bas. Elle est verrouillée. De ma vie qui est déjà partie, ça sert strictement à rien ce que je fais. Regarde, je suis en train de boire une potion juste devant toi. C'est ça, il bouge plus lentement à cause de la potion. Ah, je vais encore mourir. Ouais, je suis mort, ça me saoule. Là, j'ai passé 12 heures à retrait cette merde, fais chier. Alors faut que je me casse jusqu'à... Comment je fais des putains de torches?
Torche plus pouvoir de feu. Ok. Ok. Y a rien de précis, c'est chiant. Witcher 1, enquête de quête. Attends, c'est quoi non? C'est quoi le nom du gars déjà? Donc là, il y a grosso modo, il y a un gros souci. Alors, jardin secret. Ordo m'a demandé de débarrasser des plantes prédatrices qui ont poussé dans son jardin. Je les ai éradiquées d'après lui. Elles ne germent que la nuit. Ça tombe bien, on est la nuit. Ok. Jardin secret. Ok, je cherche, hein, mais là visiblement, soit je vais chercher des tours, je ne sais pas où. Suivant son enquête sur la salamande, Gérald a gagné la confiance de trois citoyens, blablabla. Il semble avoir un problème d'ordre jardinier, à savoir des plantes carnivores. Il aimerait que le sorceleur s'en occupe, mais à peine la cour est-il passée après une négociation serrée. Que Gérald se retrouve dehors, dans le noir, et passablement éméché face aux plantes. Bien évidemment, il s'en débarrasse sans tarder en rentrant en titubant dans la maison des deux. Et non, mais ça c'est la conclusion. Moi je te demande, c'est comment le faire. Comment arriver à les battre? Plan de carnivore. Je clique dessus. Entrée journal. Alors... Ok, ça m'aide pas plus. Sensible à l'argent, j'ai pas d'épée d'argent. Et très vulnérable aux tentatives d'incinération. Par contre, ce qu'on peut essayer de faire, c'est aller pioncer. Je vais essayer ça. Je vais essayer d'aller jusqu'à un feu. Je pionce. Et je reviens le lendemain. Parce que là, j'ai rien sur moi qui me permette de les battre. Donc je vais me casser Fissa. Je vais aller... Pas de vol, moi. Putain. quand c'est pas des plantes de merde, c'est les cabots. Est-ce que je peux sortir au moins de la zone? Est-ce que c'est une manière pour le jeu de me dire tu dois pas quitter la zone? Auquel cas ils auraient simplement fermé les barrières. Enfin, c'est pas des tortionnaires les mecs quand même. Ok, stop. Potion. On va essayer de s'octroyer un petit peu de répit quand même. Refreezer. Alors là, tu as pas raté grand chose parce que après avoir picolé avec le vieux, j'ai été expulsé de chez lui. Il y a des plantes qui essayent de me tuer. J'essaye de me barrer Fissa. Il y a aucun moyen pour moi de les tuer. Apparemment, il faut un glaive d'argent. Et ou une torche, je n'ai ni l'un ni l'autre, donc grosso modo là j'essaye une autre approche, c'est-à-dire de me barrer en courant.
Ah, je peux changer de côté droitier ou gaucher. Alors je sais pas, est-ce que c'est ma potion? Alors, j'ai plus de ivresse, expérience, c'est quoi ces conneries? J'ai mis une potion de blizzard. Augmente les chances d'esquiver, améliore la capacité à parer, c'est tout? C'est que du positif? J'ai l'impression d'être aussi mouillé quoi. Oh là là là. Quel foutoir, putain. Et à moi, plus jamais je touche à l'alcool. Plus jamais. Pas pour rien. Ah putain, j'ai coupé tous les deux ensemble. Nice. Ok, alors c'est un jeu qui est déjà pas facile de base, je suis en mode hard, et le jeu freeze non pas parce que cette fois-ci mon PC est mou du genou, mais parce que j'ai bu une potion qui fait que... Ok, c'est dur. Ok, il est dur le sorceleur. Oh là là, c'est dur hein. Oh là là, c'est dur la vie de sorceleur. Allez, grouille. Oh putain, je suis encore bourré quoi. Je dois aller jusqu'où? Je suis là, je sais pas si je saurais rentrer dans le camp. Oh putain, j'ai passé le feu de camp. Là, ce que je veux, c'est pouvoir passer la nuit, dessouler, aller m'équiper pour aller rebuter les plantes, en fait. Revenir la nuit. Parce que je saurais pas de toute façon faire quoi que ce soit, donc... Autant chercher... ce qu'on peut. J'ai un sorceleur, je sais tout à fait ce que je fais. Je suis un... professionnel. Il est génial ton quotidien. Oh, j'active trop mon quotient intellectuel journalier. Je peux méditer. Ok, nice. On est good. I speak fluently English now. Because I pass my exam today. Putain, on est sorti de cette merde. Je sauvegarde. Ok, 23h02, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. On n'a pas fait grand chose, on en a repris un peu en main. Donc je pense que je ne vais plus faire que des streams que sur The Witcher pour essayer de clôturer, pas le plus rapidement forcément possible, mais en tout cas de jouer de manière continue dessus. Mon PC là de supporter tout à fait bien, le stream aussi. Ce fut une excellente soirée, mis à part le petit bug de Twitch au niveau des chiffres en début de soirée.
Donc voilà, désolé Freezer, je vais m'arrêter ici, tu viens à peine de revenir, donc désolé, merci. Merci d'avoir passé la plus grosse partie de la soirée avec moi. On se retrouve demain, je ferai certainement pas de stream dans l'après-midi, compte tenu du fait... Ouais, je sais, tu es triste. Ouais, je me sens mal maintenant. Je peux aller faire dodo, s'il te plaît? S'il te plaît. Ok, non, je vais quand même m'arrêter ici, hein. on va pas faire les fous. Je sais bien que tu es triste. Ça s'éclipse, ouais. J'espère bien. Ok, n'hésite pas à le linker sur le Discord après, si tu le fais. Moi, je vais m'arrêter ici pour ce soir parce que je commence un peu à fatiguer, je suis levé assez tôt, j'ai un examen à passer demain, donc merci encore pour la soirée. On a passé un bon moment, il y a eu pas mal de monde, on a eu deux follow, donc merci à EPL le cancer aussi pour le follow. Et tout à l'heure, ça c'est Savard qui a utilisé son droit de vote, mais qui a pas follow par contre, ça c'est triste. Ok, donc on fait ça. Donc on se donne rendez-vous demain, même heure, 21-23, on continuera à faire The Witcher. Je vais noter ce que je dois faire, donc aller chercher une torche, aller chercher une épée en argent, si j'ai les moyens financiers, normalement ça devrait pas poser de problème, il suffit de jouer au dé, et de gagner, youpi. Donc on se dit à demain, je vais arrêter ici pour ce soir, boum, voilà. Ok, bah ça a été une bonne soirée quand même, le jeu était bien fluide, ça a été vachement fun. Hop, tac. Et voilà. Encore merci Freezer. Et on se retrouve sur le Discord d'ici demain. Et on se retrouve demain soir, 21h. Bonne soirée. Bonne nuit à tous, surtout à toi. Merci d'être venu, surtout. Je suis désolé de partir, mais j'ai des impératifs de sommeil à rattraper. Donc, passe une bonne fin de soirée. Une bonne nuit. Faites beau rêve. Et on se retrouve demain. Salut, salut.